Bon, alors, déjà, le cut au niveau du poids, c'était le plus dur que j'ai jamais fait. Mais ça a l'air d'avoir marché. Je suis arrivé à 93 tout pile à l'apaiser. Après, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai failli avoir quelques crampes au mollet, mais ça allait. Du coup, ça, j'étais très content. C'était les meilleurs que j'ai pu faire. Ensuite, les squats, ça s'est relativement bien passé. Je ne me sentais pas super fort dès le début, mais j'ai pu égarer mon fer à l'entraînement. C'est beaucoup. Plus ça médaille d'or, ça fait plaisir. Au coucher, j'ai fait un peu de la merde parce que de toute façon, je suis nu. Je suis nul au coucher. La deuxième barre, je l'ai raté parce que j'avais les pieds qui glissaient. J'arrivais pas à stabiliser la barre. Enfin, j'ai fait de la merde. Et la troisième, après, elle est passée comme elle est passée. Quoi, voilà. Après le coucher, j'avais peur de plus pouvoir jouer la première place. Mais après avoir tenté la première barre, je me suis dit que de toute façon, je n'étais pas venu pour faire deuxième. Et du coup, j'ai mis 77 en deuxième barre. Même si autant je me disais que j'allais pas la passer ou que j'allais la passer RPE10. Et tant qu'à faire, tant risquer, je suis pas venu ici pour faire un deuxième. Et voilà, ça s'est passé. Beau résultat, quoi. Ouais, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. C'est quoi les objectifs maintenant? Bon, je vais l'annoncer, je vais passer en 105. Oh. Je vais boulk. On est marre vers 193. Et après, voilà, je pense que je vais prendre une année où je vais plus me concentrer sur les coachings, voilà, le process training et tout. Je vais quand même faire des compétitions, mais ce ne sera pas le focus principal. Je vais tenter de bien remplir l'AKT, de bien me construire des bases, parce que j'ai eu pas mal de blessures cette année, du coup. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Ok, très bien.